Ta gueule, Jamel Debouze interrompu pendant son discours, il tacle Juliette Binoche, zaptvé. Ce vendredi 23 février, lors de la 49e édition des Césars, Jamel Debouze a pris la parole pour rendre hommage à la carrière d'Agnès Jaoui. Interrompu dès ses premiers mots, l'humoriste a taclé Juliette Binoche, qui lui avait fait le même coup l'année passée. La cérémonie des Césars nous aura encore offert des séquences mémorables. Côté palmarès, anatomie d'une chute, le dernier film de Justine Triet a raflé les plus gros prix. Non seulement Sandra Hüller et Swann Arlo ont respectivement hérité des Césars de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle, mais le long-métrage a également été sacré meilleur scénario et meilleur film. Parmi les autres temps forts de la soirée, il y a bien sûr eu le discours poignant de Judith Godrèche, très attendu après les accusations de la comédienne contre Benoît Jacot et Jacques Doyon. Bouleversante, l'actrice de 51 ans a eu le droit à une standing ovation de l'assistance, lancée par la ministre de la Culture Rachida Dati herself. Un moment d'une grande intensité qui restera gravé dans les annales de la grand-messe du cinéma français. Agnès Jaoui était elle aussi sous les projecteurs ce soir-là, puisque, comme le réalisateur Christopher Nolan, elle s'est vue décerner un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. L'ancienne acolyte et compagne de Jean-Pierre Bacry a au passage eu le droit à un bel hommage de la part de Jamel Debouze, avec qui elle est amie depuis de nombreuses années et qui a souhaité saluer aussi bien son génie artistique que son humanisme. Seulement voilà, dès les premières secondes, l'humoriste de 48 ans était interrompu. Jamel Debouze envoie une balle perdue à Juliette Binoche. Alors que Jamel Debouze commençait tout juste son discours, une voix s'est élevée dans l'assistance à la grande exaspération de l'acteur du fabuleux Destin d'Amélie Poulain. « Ouais Jamel, on te kiffe », a-t-on pu entendre, avant que l'humoriste ne rétorque d'un simple « ta gueule » en direction du responsable. C'est alors qu'une autre actrice a été victime d'une balle perdue. « T'es un cousin à Juliette Binoche ou quoi toi ?» a en effet ajouté le mari de Mélissa Torio. Pour rappel, lors de la précédente cérémonie, le papa de Léon et Lila avaient imaginé un scénario rocambolesque avec l'actrice, laquelle s'était alors levée de sa chaise pour dire qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec cette idée. Je ne m'attendais pas à cette intervention, avait alors réagi l'humoriste, suscitant les rires de la salle. Alors forcément, cette nouvelle mésaventure ne pouvait que lui rappeler cette séquence.